demander une nouvelle télévision au Père Noël. Tu ne veux pas demander l'argent pour payer l'électricité au Père Noël, hein? Tu demandes télévision. Quand on va couper le courant, tu vas regarder la nouvelle télé avec mes pieds. Tu ne veux pas demander l'argent pour payer l'électricité au Père Noël, hein? Tu demandes télévision. Quand on va couper le courant, tu vas regarder la nouvelle télé avec mes pieds. Tu ne veux pas demander l'argent pour payer l'électricité au Père Noël, hein? Tu demandes télévision. Quand on va couper le courant, tu vas regarder la nouvelle télé avec mes pieds. What child is this who lay to rest on Mary's lap, his sleeping? Oh, whom angels greet with anthems sweet. Watch out, keep me. So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king to own him. The King of Kings salvation brings, let loving hearts enthrone. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him blood, the babe, the Son of Mary. His mother sings her lullaby. Oh, joy, oh, joy, oh, Christ is born, the babe and the son of Mary. Yeah!
Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring in love the babe, the Son of Mary. His mother sings her lullaby. Oh, joy, for Christ is born, the babe and the Son of Mary.
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. D'abord, joyeux Noël. Joyeux Noël. Nicolas. Ça va? Ça va super bien. Ça va bien? Ça va bien. Les enfants, ils vont bien? Oui. Enfin, le cadeau pour les enfants. Voilà, où est le cadeau? Où est le cadeau? Père Noël, où est mon cadeau? Mais je suis joli à l'écran. Ah oui. Oh là là, je vous adore. Oh, je vous porte dans mon cœur. Oh là, j'espère que vous allez bien. Et puis le réveillon de Noël également, vous l'avez passé très bien dans vos différentes familles. Bonjour à toi, Vaïda. Bonjour Nicolas. Bonjour Nathan. Je m'appelle Papa Noël. Papa Noël. Voilà. Bon. Est-ce que vous savez que le Père Noël s'appelait Saint Nicolas? Raconte alors. Raconte-nous. Oui, il s'appelait Saint Nicolas. Il est né un 5 décembre. Ah bon. Donc c'est lui qui était le Père Noël. Ok. Voilà. Donc je suis la réincarnation du Père Noël. Okay. Bon Dieu. Voilà, ok. Exactement. Vada, comment est-ce que tu as passé ton réveillon d'hier? Très bien. Hier, moi, j'étais au boulot jusque dans l'après-midi. Oui, oui, jusque dans l'après-midi. Après. J'ai vaqué à mes courses après je suis rentrée en famille, voilà. Donc le réveillon a été fêté en famille. Absolument, oui. Voilà. Et la nuit, qu'est-ce que tu as fait? La nuit, naturellement, j'ai dormi. Parce qu'on avait dit qu'on devait rentrer à la maison, on devait finir les églises à 21h. À 21h, justement, donc tout le monde était censé être chez lui, à la maison. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui également, dans ce même trait de Noël, tu as quoi pour nos chers téléspectateurs? Aujourd'hui, on va parler des... Aujourd'hui, j'ai un tout petit message pour mes amis, les enfants qui sont à la maison, nos téléspectatrices et téléspectateurs. Mais avant cela, laissez-moi leur lancer tout de suite mon petit comprimé de motivation pour dire qu'il y aura toujours un jour après minuit. Il y aura toujours un jour après minuit. Ça veut dire, si jusqu'à cette heure, si... Tous nos objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas encore la fin du monde, on peut toujours espérer jusqu'au 31 décembre 23h59. Beaucoup de choses peuvent changer. Donc restons toujours scotchés à nos rêves, nourrissons toujours nos rêves de beaucoup d'espoir et je pense que nous allons bien célébrer la fin de 2021 et entamer 2022 avec beaucoup d'optimisme. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Tata Noël de ce matin. Maman Noël, il y a Maman Noël et puis il y a Tata Noël. Et puis il y a le cousin. Non. Tonton Noël. Oncle, voilà. Bonjour Martin, ce matin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu savais que le deuxième fils de Papa Noël s'appelait Martin? Oh là là. Non, je ne sais pas, je suis très honoré de le savoir. Voilà. Bonjour à toi, Père Noël de l'émission Week-end. Aujourd'hui. Je suis très ravi d'ailleurs de retrouver les téléspectateurs. En tout cas, la nuit a été courte, surtout pour les hommes de médias, les noctambules. Hier, on a eu peur un peu, mais voilà, tout s'est bien passé. Exactement. Et puis, de l'autre côté également, des actualités qui ont meublé la toile, parlant de la célébration de l'All Music Award. Exactement. Voilà, la 18e édition. Un peu de tout, on parlera également de la littérature et puis voilà quoi. Un peu de littérature. Justement, l'origine également de la fête de Noël. Voilà ce qui fera vraiment plaisir à ces enfants là qui ne savent pas de quoi il s'agit. Voilà. L'origine de cette fête là, Noël, on va en parler dans quelques minutes dans ce studio. N'oubliez surtout pas que vous pouvez également nous appeler. Les enfants peuvent nous appeler. Les grands également peuvent nous appeler et puis souhaiter un joyeux Noël à leurs proches, à leurs enfants de l'autre bout du monde. Si. Peut-être vous êtes au Togo, vos enfants sont à l'intérieur, vous êtes à Lomé, vos enfants sont à l'intérieur du pays. C'est le moment également de leur passer ce message de joyeux Noël à travers cette émission. C'est le week-end. Voilà. Et également aujourd'hui,
Tata Noël a un petit cadeau pour des enfants qui vont nous appeler dans cette émission. Des petits cadeaux qu'on a pour les enfants aujourd'hui. Bonjour à toi, Tata Noël. Bonjour à toi, Papa Noël Nicolas. Mmh. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et moi, je me porte bien. J'espère qu'eux aussi se portent à merveille, qu'ils ont bien et accueillir le petit Jésus. Mmh. Et donc, je suis là. C'est toute une femme aussi. Mmh. Toujours au rendez-vous. Voilà. Et je tiens à féliciter aussi les mamans qui ont donné naissance, les bébés qui ont décidé de suivre le petit Jésus en même temps. Donc, j'ai quelques bases d'alimentation pour eux. Et tout se passe bien, tout se déroule dès le bas âge, les alimentations des enfants. Donc, je suis là aujourd'hui pour leur donner quelques conseils concernant les alimentations. Voilà, ouais. C'est Noël, on ne va pas trop manger, on ne va pas beaucoup manger, on ne va pas beaucoup boire de pompons. De n'importe quoi. On ne va pas beaucoup prendre de pompons pour avoir les maux de ventre après. Ou bien, maman Noël, on ne va pas trop manger, on ne va pas trop bourrer le ventre avec du riz. Du foufou. Oui, je pense. Je pense que c'est l'occasion. Et tout ce qui va avec. C'est l'occasion pour les mamans d'offrir ce que les enfants veulent, mais c'est pas parce que l'enfant crie qu'il veut manger, qu'il veut goûter à 100 chocolats qu'on va les lui donner. Donc, regardons un peu ce côté-là, parce que après tout, c'est nous-mêmes qui allons souffrir quand l'enfant dira « Ah, maman, j'ai le mot de ventre, j'ai le mot de tête », c'est nous qui allons souffrir en retour. Donc, sachant quoi manger en ce jour, c'est vrai que c'est la période des fêtes, des fois on se permet de se faire plaisir, voilà. Mais faisons-nous plaisir avec beaucoup de sagesse, faisons plaisir à nos enfants avec beaucoup de sagesse, voilà. Sauf que Oncle Noël, lui, n'a pas grandi. Papa Noël a sa barbe blanche, mais Oncle Noël reste toujours jeune. Ah oui, j'ai décidé d'opter pour le naturel. Après, tu manges le surnaturel. Parce que si on veut tester un peu, on veut vérifier un peu la réalité de cette barbe. Voilà. Ça va se retrouver. Exactement. Un autre Père Noël. Voilà, donc avec votre complicité sur le plateau, on va faire plaisir à quelques enfants qui nous suivent ce matin. Justement. À tous ces enfants-là, à tous ces enfants qui sont nés un 25 décembre, on les appelle Noël. Noël, ah oui. Noël, les filles, c'est Noéline. Il y a Noëlita. Oui, je pense Noël pour les garçons. Noéline pour les filles. Noëlita également pour les filles. Et à tous ces enfants également qui ont vu le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est leur premier jour de venir dans ce monde également. On vous dit bienvenue. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit Jésus. Petit Jésus. Vous connaissez Jésus? Petit Jésus, Martin. Oui. C'est qui Jésus? Petit Jésus-Christ, pour les chrétiens, voilà, c'est le fils de Dieu, voilà, qu'on appelle Petit Jésus, voilà. Qui a vu le jour, comme on le dit, selon l'histoire. On en parlera tout à l'heure, voilà. le 26 décembre. Voilà, exactement. On va souffler encore une fois en musique, le temps de revenir sur ce plateau, et mesdames et messieurs également, laissez juste votre téléphone à vos enfants ce matin, pour qu'on puisse s'amuser ensemble sur ce plateau. Oui, on va s'amuser sur ce plateau de l'émission, c'est le week-end. Merci beaucoup à vous. On va aller en musique et revenir pour vous présenter un peu l'historique, ce qui se cache derrière cette fête de Noël. Musique. Dans son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir.
Les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras. Tu seras sur ton haut nuage, viens d'abord dans notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi, petit papa. Maintenant, je suis déjà sur Terre encore une fois. Je vais vous faire voyager à travers le temps. Voilà, Martin qui est parti très loin. Il a bien voulu nous ressourcer, nous informer sur la provenance de cette fête de Noël. De quoi s'agit-il exactement, Martin? Pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui n'ont pas le temps de faire ces recherches, on va le leur présenter ce matin, Martin. Justement, merci à toi Nicolas de me donner la parole. Nous allons parler de l'historique de cette fête de Noël. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est une fête des païens, et puis d'autres personnes également qui se disent c'est une fête religieuse. Voilà. Donc nous allons mettre un peu la nuance entre voilà, ces deux versions. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que la fête de Noël, c'est une fête des chrétiens. C'est une fête religieuse, oui. Voilà, qui traduit, qui symbolise la naissance du petit Jésus-Christ. Oui. Alors, le récit évangélique de la naissance de Jésus-Christ sert de base pendant un siècle à une grande richesse artistique. Oui. Alors, la fête de Noël est une fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth. La fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver auquel elle est associée. La déchristianisation faisant la fête de Noël est aujourd'hui... La déchristianisation. Ah oui, justement. Wow. Voilà le mot. La déchristianisation faisant la fête de Noël est aujourd'hui coupée de son fondement religieux dans de nombreux pays occidentaux. Mais elle y subsiste comme fête traditionnelle. Alors, instituée le 25 décembre au 4e siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées aux solstices d'hiver. Fête germanique, fête de Mitra, fête romaine. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Donc souvent nous pouvons remarquer la réveillon qui est le 24, et puis tout juste après minuit, nous rentrons dans la journée du 25. Voilà qui symbolise la naissance du petit Jésus-Christ. J'aimerais savoir si Vaida est d'accord avec nous pour fêter Noël. Parce qu'il y a certaines
religion qui n'épouse pas cette idée de fête de Noël. Je ne vais pas donner les noms. Justement. Mais bon, je ne sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, Vaïda. Bon, moi je dirais que Noël est devenu une tradition de notre société. Mm-hmm. Et donc. Pourquoi pas une fête commerciale? Bon, ça dépend. Ça dépend du sens que tout un chacun lui donne. Mm-hmm. Donc, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois d'autres religions, mm-hmm. je pense que nous appartenons vraiment à une seule corbeille qui est la grande société. Mm-hmm. Et donc, du coup, je pense que ça se joue dans cette harmonie, puisque des fois, quand par exemple les musulmans célèbrent leur fête, ils préparent et ils donnent aux autres, disons, leurs voisins qui sont de la même région qu'eux. Et voilà, nous aussi, nous sommes en train de fêter Noël aujourd'hui. On peut préparer et partager ce mets avec les autres aussi. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un bon moment pour faire la paix. Oui. C'est un bon moment pour se faire de grandes promesses, mm-hmm. Demander pardon avec la personne avec qui on n'est pas peut-être en bon terme. Voilà, en bon terme. Mm. Et puis, essayer quand même de se faire de grands vœux. Voilà. Noël, j'aimerais également avoir l'avis de Tata Noël ce matin. Noël, quand on parle de Noël, qu'est-ce qui te vient à l'esprit automatiquement? Est-ce que c'est forcément au niveau des chrétiens, forcément au niveau des enfants, faire des petits dons aux enfants, faire à manger à certains enfants du quartier, faire plaisir aux enfants de la famille, se faire belle ou bien se faire belle, aller voir tonton, parce que c'est la fête. Comment? Elle sait que j'ai menti, Vaïda. Là, tu l'as pas mangé. Tout ce qu'il va Non, je pense que Noël, c'est. En fait, c'est une renaissance. Hein. Mm. Parce qu'on se naît de nouveau. Parce que le petit Jésus, il est là pour nous sauver, c'est ça. C'est le but même de son arrivée. Donc, c'est une fête traditionnelle, si moi je peux le dire. Une fête traditionnelle où on partage tout avec tout le monde. C'est le lieu de pardon également, réconciliation. Vaïda vient de le dire. Donc, on ne va pas laisser des choses sur le cœur jusqu'à... Non. C'est une renaissance et nous devons renaître encore de nouveau. Donc, je pense que Noël, c'est pour tout le monde quand même. Voilà. Alors, moi, je pense que Noël, on le dit que c'est la fête des enfants. Ah, oui. Mais d'un côté aussi, c'est le lieu de se rendre humble comme un enfant. Ah, oui, pour pouvoir demander pardon à quelqu'un qu'on a offensé, voilà. Et quelqu'un qui nous a offensé également, parce que d'ailleurs si quelqu'un m'a offensé moi personnellement et que moi je vais vers la personne comme un enfant, comme le petit Jésus, comme des enfants le savent le faire, pourquoi ne pas demander pardon à quelqu'un qui nous a offensé ou bien quelqu'un que nous-mêmes on a offensé, etc. et tout ce qui va avec. Je pense que se rendre comme un enfant pour vous demander pardon également, c'est encore un but de cette fête de Noël. Voilà, Martin, la suite de ton histoire aujourd'hui. Voilà, Nicolas, si tu me le permets, je pense qu'à l'orée de mon introduction, parlant de l'histoire de cette fête de Noël, je l'ai tantôt dit, c'est une fête religieuse, c'est une fête qui est consacrée à toute la communauté chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir également? Chaque communauté ou bien chaque religion à ses fêtes. Et quand on parle de fêtes, forcément, il y a l'aspect commercial. Voilà. Peu importe, toutes sortes de fêtes, il y a chacun qui profite pour faire son business, tout. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'accentuer en disant que la fête de Noël est une fête, rien qu'une fête commerciale. Alors quand vous prenez par exemple la communauté musulmane, quand vous prenez la communauté chrétienne, chaque communauté à ses fêtes qui se distinguent parmi les fêtes. Alors quand nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous devons retenir tout simplement que c'est une fête qui commémore en réalité cette vie, cette liturgie religieuse. Jésus est né de nouveau. Donc là, ce n'est pas exclusivement une fête des enfants, mais pour tout le monde, de se renaître de nouveau. Comme tu viens de le dire, lorsque vous avez un problème avec quelqu'un, un petit souci avec quelqu'un, aujourd'hui,
vous avez encore l'occasion de vous renaître de nouveau. Mmh. Vous avez encore l'occasion de vous racheter. Aujourd'hui, Jésus-Christ est né de nouveau. Mmh. C'est-à-dire que le petit Jésus nous permet de nous rattraper et de reprendre la démarche. Mmh. Donc là, c'est également une occasion pour les enfants de faire plaisir à leur papa. Les parents également, c'est réciproque de faire plaisir à leurs enfants. Mmh. Et surtout, le plus important, c'est de pouvoir donner la joie à tous les enfants en ce jour. Voilà. De donner la joie à tous les enfants. Peu importe, voilà, si c'est en dehors de votre maison, vous avez des connaissances, des enfants qui sont des enfants démunis, etc. Exactement. Aujourd'hui, c'est une fête qui signifie l'amour. Quand le petit Jésus-Christ est né, c'est-à-dire c'est l'amour qu'il dissipe à travers toutes les communautés, on ne met pas en exergue une autre communauté, une communauté, mais c'est une fête de façon générale pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter. Voilà. Voilà. Donc Noël, c'est Noël. Peut-être que Bagda a fait à manger à des enfants de son quartier aujourd'hui. Il nous a pas invités. plutôt, je prévois aller distribuer des ballons et des biscuits à certains. Des biscuits. On va manger des biscuits. Ça nous va tout droit au cœur. On va recevoir un appel d'un téléspectateur. Puis on va continuer. Allô? Allô? Je veux un cadeau. Bonjour, comment vous allez? On va bien. C'est un nom? Charles. Charles. Le petit Charles. Ça va? Oui. Tu m'appelles depuis quel quartier? Kové. C'est quel quartier Kové? Kové. C'est un village. Bon, je ne maîtrise pas trop. Comment est-ce que tu fêtes Noël avec papa, maman à la maison? Quel cadeau papa t'a fait? Pardon? C'est quel cadeau papa t'a fait? Pas encore. Faut dire à papa de te faire un cadeau. C'est très important. Voilà, on a un petit cadeau pour toi dans ce studio. Si Kové ou bien Kové n'est pas trop loin, tu peux venir en studio actuellement. Ok. Joyeux Noël. À tout à l'heure. Voilà, merci à notre premier client de ce matin. Charles, il s'appelle. Petit Charles. Charles. Charles Vaida qui a également un cadeau pour Charles ce matin. Je pense que Charles aura des biscuits. Voilà. Et des biscuits et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. On y va cette fois-ci avec ce que les enfants doivent manger. Parce qu'on sait que c'est Noël. Là, je vais laisser Vaida et Espoir s'en charger. Parce que Vaida est la maman et Espoir est la tata. Donc, qu'est-ce que les enfants doivent manger ou bien ne doivent pas manger? Parce qu'on sait qu'en période de fête, on a tendance à laisser aller un peu côté nourriture les enfants. Ouais. Peut-être l'enfant mange tout de suite le foufou et il mélange avec un peu de riz. Après, il dépose la pâte dessus et il boit beaucoup de pompons. Parce qu'il n'est pas bon pour maintenant je vais vous laisser. Martin et moi, on va s'intéresser à la petite histoire de l'enfance. Martin. Oui. Quand tu étais Père Noël. Je suis à l'écoute. Voilà, mon petit frère Martin. Père Noël. Et voilà, quand tu étais enfant, comment est-ce que tu étais avec tes autres confrères, tes autres petits frères? Comment est-ce que la fête de Noël, vous la fêtez en ce moment? Est-ce que vous construisez des petites maisons? Oui, avec les palmiers. Est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe toujours. Surtout dans les villages. Voilà, c'est dans les villages encore. Ça existe toujours. Aïda même en a fait. Les petites maisons. Non, souvent c'est les garçons. Les petites maisons en palmier. On faisait chambre salon. Et dans la chambre, il y a des choses qui se passaient. J'étais la petite lumière avec pile.
Ah bon? Voilà. Martin, ça nous revivre encore cette histoire de palumé lors de Noël. Martin, Martin. Oui, Nicolas, je pense que tu viens de me rappeler des plus beaux souvenirs de l'autre côté de Palibé, voilà. Si tu veux ça. On est dans quel quartier déjà? L'Homme Nava. Espoir qu'on est bien ce quartier. Ouais. Le quartier des stars. À Palumé. Oui, effectivement. Mm-hmm. Espoir également. Quartier de l'intelligence. L'intelligence, là, même. On a versé ça là-bas. Voilà. Au niveau de quartier L'Homme Nava. Quand tu étais petit, est-ce que. On t'a une fois ramené dans cette petite maison. Non, malheureusement, non. J'en ai vu avec mes yeux quand les garçons qui le font. Non, on va faire vivre l'histoire à Maïda ce matin. Ah oui, je pense que c'est. Est-ce qu'on a une image de cette petite maison? Oh Seigneur, je l'ai pas calé. On va revenir. Mais justement, demain, on va revenir avec la construction. Et Vaïda va voir. Voilà. Non, Vaïda aura une idée. En fait, on choisissait un coin dans le quartier. Un coin, justement. Vraiment sombre. Ah, oui. Et on construisait une maison, une petite maison avec des palmiers. Papa ne veut pas tant de précision. Peut-être des fois on faisait chambre salon, mais des fois on disait que non, on est trop beaucoup. En fait, deux pièces séparées. Mmh. Voilà. Ah, bon? Voilà. Et puis il y avait certains de mes amis qui étaient des spécialistes en construction. C'est l'architecture infantile. Oui, je salue des sons de passage. Voilà. Oui. Déjà à partir du 20, il venait avec le projet. Voilà, de construction. Oui, les bois, tout et tout. Et puis on se faisait le plaisir de construire ça. Ah on bon? formait toute une équipe. Ouais. Composée de 5 personnes. Voilà. Surtout, le plus important, c'est que l'effectif féminin doit être gonflé. Voilà. Donc, et puis pour c'est que ça. La fête soit belle. Ah oui, et puis je tenais toujours le monopole de leader de papa. Souvent, voilà. C'est comme ça se fait. Papa, c'est qui, papa, maman. Et c'est qui jouait maman? Oui, je la salue de passage. Donc, c'était un peu la joie. Ouais. On trouvait des boîtes de tomates, ouais. Voilà, déjà utilisées, de sardines déjà utilisées. Mm. Et puis on allait voler un peu de bols de farine, des condiments, tout et tout. Et puis on concoctait des trucs. Mm. Et puis à la fin du repas, on essaie de verser les autres en disant d'aller acheter les bandits, tout et tout. Et puis nous, on s'occupait de. On s'occupait du reste. Voilà. On s'amusait. Voilà quoi. Mm. On s'amusait. On s'amusait. Voilà. Martin. On s'amusait. Oui, et Espoir également venait de me dire qu'elle a vu, mais elle n'a jamais pénétré la chambre. Espoir, comment est-ce que ça se passait de ton côté? Noël, on faisait tout pour que la maison soit prête avant le 24. Avant le 24. Oui, c'est ça. Ah oui, le réveil, c'est très important. Très parce important. Parce que les parents se vaquaient voilà, à leurs occupations, voilà, et allaient à l'église. Et les enfants et sont on a tout le temps. Membres. Oui, justement. Voilà, membres de l'association. Confrérie. Voilà. Et puis on se donnait du plaisir. Si. Oui, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'on achetait les autos là, et puis on attache ça sur. Et comment on appelle ça même? Les pailles? Oui, voilà. La fête commence, et tous les repas qu'on nous donne, on vient là-bas, puis on mange. Ah bon? Martin vient de le dire, quelqu'un se représente comme papa, grand-papa, maman, ah oui. Navi. Aujourd'hui, ça fait mal de ne plus revoir ces vieilles habitudes, surtout à Lomé. Mais quand vous faites un tour au niveau des villages, vous allez encore retrouver ça. Il y a des enfants qui ont gardé cette bonne habitude de pouvoir immortaliser ces moments de réveillon parce que ça arrive une seule fois dans l'année. Et quand ça arrive, c'est le moment de se rappeler de ces petits exercices, de se donner de la joie, des cotisations, 25 francs par ici, par là. Et j'étais le caissier. J'encaisserai un peu l'ambiance autour de la joie. Mais le plus important pour moi, c'est arriver à un moment, surtout les petites filles du quartier, pendant ce moment, c'est l'occasion. C'est l'occasion, voilà. Mais la nostalgie aussi, c'est qu'arrivé au niveau du CG, je commençais par faire des camaraderies encore élevées, puis je laissais la place à d'autres générations pour commencer par me promener aussi dans les maquis, tout et tout. Voilà. Donc, la partie également qui intéressait, c'est quand la bagarre venait.
Ah oui, il y a des bagarres aussi. La maison s'écroulait et il fallait reconstruire ça. Des fois, même lorsque vous construisez ça, ça tombe et puis Et si vous êtes beaucoup, j'ai jamais vu ça. Vous êtes beaucoup. C'est pour la construction. On a envie de retourner en arrière et puis on vient au moment. Vaïda, je t'explique un peu le truc. Tu connais les palmiers? Oui. Les palmiers à huile. Oui, les feuilles, oui. Voilà. Les voilà, donc on tissait ça, on raccordait deux palmiers et on tissait, on tissait ça sous forme de, on disait en éve bongo. Bongo, bien c'est ça, non? Tu vois comment on tisse les éventails. On tissait ça comme ça et puis on mettait les piliers, certaines tiges qu'on mettait par terre, sous terre, etc. Voilà. Et puis, et vous réalisiez une vraie chambre. Exactement. Ça, c'est de là. Et en haut, on mettait juste les palmiers là-dessus comme ça. Et peut-être... des fois on mettait également les sachets et puis des calendriers déjà utilisés parce que moi je suis un expert. Lui les calendriers déjà utilisés voilà. pour permettre de l'obscurité exactement à l'intérieur. L'obscurité était très important et ce qu'on a fait on pique ça et puis on allume et ça brille. On dirait c'est Bechtel. Voilà. Les enfants continuent toujours pas à nous appeler. Le numéro n'est pas encore bloqué. Appelez-nous ou soit dites à papa de nous envoyer un message via WhatsApp ou nous appeler sur ce numéro-là qui passe au bas de votre écran. Les papas, les cadeaux que vous avez eu à offrir à vos enfants également, pas de souci. Vous pouvez également conseiller les autres papas ou bien les autres mamans à faire le même cadeau pour les enfants qui nous suivent ce matin. Soit les mamans également, faites cadeau, des petits cadeaux. Ça ne coûte absolument pas. Rien. Ça ne vaut pas forcément une fortune. Même avec 500 francs, 200 francs, 300 francs, vous pouvez faire un petit cadeau à vos enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est spécial et faites tout pour faire plaisir à vos enfants, même si c'est pas grand-chose, mais pour que l'enfant se sente qu'aujourd'hui, je suis content. Papa m'a offert cela, maman m'a offert cela, donc c'est très important. Et quand on parle de cadeau, ce n'est pas forcément le fait de dépenser. Vous pouvez également investir votre temps. Si vous n'étiez pas régulé à la maison, les jours tout et tout, aujourd'hui c'est le moment de passer cette journée spéciale à côté de votre enfant. C'est très important. Vaïda aujourd'hui va passer la journée avec nous qui sommes ses enfants. Ses enfants. Justement, avec les biberons alcoolisés, c'est très important. Biberons quoi? Alcoolisés. Au sens figuré du mot. Voilà. Ça, c'est l'esprit figure de style. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et les aliments, comment manger en cette fête de Noël. Parce que depuis là-haut, je dis. Sur mon siège de Papa Noël, je vois que les enfants se nourrissent mal. Très mal même. On fait des mélanges, on fait des ratatouilles, pas possible. On mélange des trucs dans le ventre et puis peut-être le 26 ou le 27, on doit forcément prendre des médicaments. C'est les maux de ventre, des maux d'estomac qui voient le jour. Donc nous, sur ce plateau, on a pensé à vous qui êtes nos petits frères, nos petites sœurs. Quoi manger, comment manger et quand manger, on en parle sur ce plateau. Espoir et Vaïda, les mamans de l'émission. Effectivement, Nicolas, il faut que nous prêtons attention à ce que nos enfants mangent, c'est-à-dire tout se passe dès le bas âge. Donc, on devons sur les enfants de ce qu'ils doivent manger et ce qu'ils ne doivent pas manger. Mais tu es très belle ce matin. Hein? Ah, merci, Papa Noël. Tu vois, également qui sourit magnifiquement. Quand je descendais du ciel, j'avais vu une très belle dame là-bas. Je sens trop à Vaïda. Ah bon? Oh là là.
Merci, Papa Noël. Non, après l'émission, vous allez encore repartir au ciel. Non, vous serez là avec moi. Sur Terre jusqu'au 1er janvier. Ah bon? Et après le 1er après, de retour, c'est sur le 5 janvier. Ah là là. Okay. Voilà. Okay. Donc, j'ai quelques conseils et quelques règles de base pour l'alimentation des enfants. Si la régie peut me couvrir avec les images. Voilà. Voici quelques conseils pour vous. Donnez les bonnes habitudes alimentaires à vos enfants. Faites des écarts, des moments particuliers tels des repas de fête pour que votre enfant se rende compte du caractère exceptionnel de ce repas et l'apprécie à sa juste valeur. Voilà. Évitez les desserts sucrés, crème, desserts, glaces, biscuits, mais proposez toujours à votre enfant de choisir entre un fruit et un laitage en fin de repas. De préférence nature auquel vous ajouterez éventuellement un peu de sucre ou de miel par exemple. Continuez à cuire des plats de bébé sans matière grasse, mais ajoutez une cuillère à café d'huile avant de servir. Idéalement, optez pour un mélange tout près de 4 huiles que vous trouverez en grande surface. Tournesol, oléasol, pain de raisin et voilà. Donc souvenez-vous que l'eau est la seule boisson indispensable à bébé. Évitez les boissons sucrées, y compris light, pour éviter de l'habituer au goût du sucre. Proposez toujours à votre enfant des fruits et légumes à chaque repas, même s'il ne les mange pas toujours. Donc c'est ça, c'est quelques conseils ça. Et j'espère que le message est bien passé. Et les enfants ne sont pas choses comme on le dit. Et c'est pas toute chose que les enfants doivent manger. Nous devons suivre bien les enfants, surtout au niveau de l'alimentation. C'est très important. Il est bien vrai que c'est la fête et les enfants vont vouloir boire de la sucrerie et tout, mais il faut savoir choisir ce qu'il faut donner aux enfants. Voilà, c'est très important. Et pour finir, il faut que les enfants aussi prennent des chocolats. Et quel chocolat d'ailleurs? Chocolat noir. Vous savez que le Togo aussi produit de la chocolat. Voilà, donc chocolat noir produit au Togo. Ça contient beaucoup de nutriments et c'est efficace. Voilà. Vaïda, qu'est-ce que les enfants, comment est-ce que les enfants doivent manger en tant que maman aujourd'hui sur ce plateau? Que conseilleriez-vous à nos chers petits-enfants qui sont en fait aujourd'hui? Voilà, merci à Espoir. Merci à Espoir, merci à Papa Noël d'avoir pensé à nos petits anges. C'est vrai que nous sommes en fête, mais c'est au même moment la bonne opportunité pour que les mamans ou bien les parents revoient un peu l'alimentation de leurs enfants. Ne pas laisser les enfants se bourrer. Voilà, c'est vraiment très important parce que c'est pas bon pour le foie. Donc servons-les sur juste mesure. Voilà, servons-les sur juste mesure. Voilà. Ok. Je te redonne la parole. Allô. 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 Bonjour madame. Ça va? Voilà. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Pauline. Pauline. Depuis quel quartier? Quartier de Katavelli. Agoué Katavelli. Comment tu fêtes Noël, ma? Dis-nous là. Je fête comme vous. Ah, maman. Il y a Papa Noël chez toi? Oh, je ne suis qu'un seul Papa Noël sur Terre actuellement. Hein? S'il vous plaît. Oui. Parlez. Oui, je vous écoute, madame Pauline. Elle n'a pas bien écouté ce que tu avais dit. Pauline, qu'est-ce que papa t'a offert comme cadeau? Pas encore. Ah bon, papa ne t'a pas encore offert de cadeau? Il va me laisser. Ok, demain, tu viens chez nous à la TV2 pour ton cadeau. D'accord. Demain, à partir de 11h, c'est bon? Ok. Ok, il faut me passer le petit frère. Allô? Allô? Petit frère.
Le nom du petit frère? Daniel. Daniel, tu as quel âge? 7 ans. Waouh, bravo Daniel. Tu fais quelle classe? CP1. Tu veux chanter pour nous? Ok, vas-y, on t'écoute, monsieur Daniel de CP1. Nous, voilà, demain tu accompagnes la grande soeur, vous venez à la TV2 à 11h. C'est bon? Merci beaucoup à vous et joyeux Noël! Merci beaucoup! Bye bye! Bye! Voilà! On est en fait avec les enfants aujourd'hui. On n'a qu'un seul numéro, donc si vous nous appelez et puis ça s'en occupe, rappelez-nous. Voilà, les enfants sont toujours à l'honneur. On le disait, Vaïda? Oui, comme je le disais tantôt, le meilleur médicament, c'est notre alimentation. C'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous mettons dans notre bouche. Il y a un médecin, il y a un docteur qui me dit souvent... Un autre appel. Ok, vas-y. Je vais vous couper, Vaïda. Allô? Allô? Bonjour! Bonjour. Ça va? C'est quoi ton prénom? Doris. Doris, tu nous appelles depuis quel quartier? Zanguera Clémé. Ok, je vais laisser Tata Vaïda te recevoir, c'est bon? Ok. Ok, Tata Vaïda t'écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, moi aussi. Moi, c'est Vaïda. Et toi? Doris, enchantée. Tu veux bien nous offrir une petite chanson? Oui. D'accord. À toi. Noël. Du ciel. Tu parmi yeux. Choué. Bravo. Ok. C'est parfait. Merci. Oui. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que maman t'a offert comme cadeau? Qu'est-ce que maman t'a donné comme cadeau? Des chaînes. Ah. Des chaînes, des lunettes. Bravo. Et tout. Oh, merci à maman. Merci beaucoup, bravo. Maman. Merci beaucoup, maman. Voilà, faut faire bisous à maman pour nous. Ok, passe-nous ta petite soeur. Allô. Allô, petite soeur, ça va? Ça va bien. Yeah. Espoir, faut recevoir ma petite soeur pour nous. Petite soeur, comment tu vas? Ça va bien. C'est quoi ton nom déjà? Augustine. Augustine, moi c'est Espoir. Allô? C'est bien. Oh, c'est bien. Dis-moi, tu nous offres quoi? Chanson ou bien comment? D'accord, je t'écoute. Plus beau. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que maman t'a donné comme cadeau? Oui, je t'écoute. Je vais te passer. Des lunettes. Ah bon? Des lunettes et des chaînes pour toi aussi. Merci. Merci à maman. Hein? Merci beaucoup à maman. Ah, c'est la famille. C'est toute la famille. Passe-nous la petite. Ok. Allô, la petite deuxième sœur.
Ton nom c'est Victoire. Allô? Ok, tu fais, tu es dans quelle classe? CP1. CP1. Comment on appelle Tata? Tata de l'école, comment on l'appelle? Tata Émilie. Wow, Tata Émilie. Tu veux chanter ou bien tu veux réciter pour nous ce matin? Pardon? Tu veux chanter? Ok, chante pour nous. Chante, chante pour nous. Bravo. Elle n'a pas fini. Bah, au ballon, au ballon. Mais on veut un ballon. Mais on veut un ballon. Ok, c'est ça, non? Ok, merci beaucoup. Demain, on se donne rendez-vous à la TV2 à 10h30, 11h, c'est bon? Faut dire à papa et à maman de vous amener, ok? Je vous remercie d'être là. Je disais que les enfants togolais sont très intelligents. Est-ce que j'ai menti? Non, non, t'as pas menti. Okay, merci beaucoup à papa et maman, on se retrouve demain. Pardon? À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Joyeux Noël. La wow. Famille est finie. On a un autre appel également qui rentre dedans en même temps. On prend l'appel automatiquement. Allô? Ok. Il est parti. Les enfants sont intelligents. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. 2000 ans que je vis au ciel. C'est la première fois que je rencontre. Non, ouais, justement, j'ai aimé le style de langage, la simplicité, et puis voilà quoi, les phrases qui sont très simples et puis respectueuses. Les oiseaux les plus beaux. Allez, écoute, ils sont en train de danser en chantant et je les trouvais si joli. On sent. Dans ma main, je les ai mis et dans ma poche, je les ai mis. Entre temps, dans la vie, on sent. Voilà. On est un beau bolou, bolou. Ah oui, c'est là même où elle m'a tué. Elle m'a laissé sans mot. Voilà. Et on remercie également Tata Emily. Ah oui, parce qu'elle a pas qui à bas, voilà, un grand boulot. Justement, l'éducation de ses enfants. De ses enfants. Si vous le permettez, on va encore recevoir un enfant. Allô. Allô, bonjour mon enfant. Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Comment est-ce que tu fêtes Noël? Je le fête très bien. Ah bon, c'est quel nom déjà? Louise. Oh, je pense que c'est la petite et belle Louise. Depuis quel quartier? Depuis Agouet. Quel Agouet? Il y a beaucoup d'Agouet. Hein? À Tchanvé? Agouet Kitidjan, c'est devant à Tchanvé. Oui. Voilà, exactement. Maintenant, quel cadeau papa ou maman t'a fait? Et voilà. Seigneur, bénis la maman de cet enfant. Longue vie à maman. Maman a cousu une belle robe également. Oh, oh, maman, longue vie, merci, longue vie. Maman. Est-ce que maman est à côté de toi? Rien. Fais bisous à maman pour nous. Oui. Redis à maman de fais bisous à maman. Vrai de vrai, je vais voir. Je vous vois, hein. Okay. Papa, je vous vois, hein. Ah, maintenant, on dit merci beaucoup à maman pour ce cadeau. Allô? Je vais vous passer ma petite soeur. Ma petite soeur. On est en euro aujourd'hui avec les filles. Hein? Allô, petite soeur, ça va bien? Oui. Tu fais quelle classe? Tu fais quelle classe? CP2. CP2. Mm-hmm. Comment s'appelle ta tata ou bien ton maître à l'école? Tata Mamie. Tata Mamie. Ah bon, maintenant, tu vas chanter pour nous ou bien tu vas réciter pour nous? Ou ouais. Ou père. Il n'est pas payé. Ou Touyo. Maintenant, quelle chanson, quelle autre chanson tu veux chanter pour nous? Je
tu n'as plus de chansons. Waouh, il est direct. Tu n'as plus de chansons. Ok. Yeah. Ah oui. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, petit Jésus. Joyeux anniversaire. On dit merci à maman. On dit merci à maman et puis on se retrouve demain à la TV2 à 11h. Merci mon enfant. Sois sage. Hein? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tu as 26 ans. Ah, tu as 6 ans. Oh là là, quand je reviendrai la l'année prochaine, tu auras 7 ans. Ou bien, voilà. Joyeux Noël à toi et merci beaucoup à maman pour les cadeaux. Pardon? Merci. Merci beaucoup à toi aussi. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Voilà. Les enfants sont à l'honneur dans cette émission. Justement. On a encore 10 minutes à passer ensemble. Le numéro est toujours ouvert pour les mamans, les papas, les tatas, les tontons, les mémés, les pépés, les onclos, les navios, tout ce qui va avec. On va encore souffler en musique. C'est Noël. On va faire plaisir aux enfants. En complicité avec Tata Noël, Maman Noël, Onclo Noël et Papa Noël. Bon, on va recevoir l'appel d'abord. Allô? Allô? Allô, ça va? Je pense qu'il est parti. On va aller en musique. On va revenir juste après si la régie le permet. Joyeux Noël à tout le monde. Dans nos campagnes, allô, bonjour ma petite fille, ça va? Ça va. Comment est-ce que tu t'appelles, petite fille? Ton nom? Charlotte. Tu nous appelles depuis quel quartier? Les Bassitos. Est-ce que Noël se fait très bien là-bas? Voilà, tu fais quelle classe? CP1. Tu vas chanter pour nous ou bien tu vas réciter pour nous? Oui, je t'écoute. Oui. Julie! Bravo.
tu as une deuxième chanson également? Ok, chante pour nous. Ah, ok. Guichet. Bien joué. Nye. N'oublie pas. Chouye. Chouli. Merci beaucoup. À notre petit enfant depuis Agualegacito. Quel cadeau papa t'a offert? Quel cadeau papa t'a fait? Oui, je t'écoute. Ah. Ah bon, papa t'a acheté un petit papa Noël. Bravo. Bravo, merci beaucoup à papa. Bonne journée. Joyeux Noël. Voilà. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour, bonjour, papa Noël. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bien. Vous allez bien sur la terre? Oui. Ok. Tu as quel âge? On a 11 ans. 11 ans. Tu fais quelle classe? Bien. Waouh. Applaudissez pour toi-même. Ok. Maintenant, est-ce que tu es fort en mathématiques ou bien tu es fort en physique ou bien tu es fort en français? SVT. Ok. Tu veux que je te pose une question de Noël en SVT? Oui. Voilà. SVT, ça veut dire quoi? SVT, le sigle SVT, ça veut dire quoi? Tu peux me donner la définition du sigle SVT? Non. Tu as oublié? Oui. Tu as mangé le riz avec? Voilà. Maintenant, quel cadeau maman et papa t'ont offert pour cette fête Noël? Une voiture télécommandée. Wow. Une voiture télécommandée. Waouh! Faut faire bisous à maman pour moi ou à papa pour moi. Voilà. Merci beaucoup à papa. Et comment on appelle papa ou maman? Oui, allô? Je pense qu'il est parti. On a un autre appel en même temps. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, tonton. Allô, allô, ma petite fille. Comment ça va? Ça va bien. Tu m'appelles depuis quel quartier? C'est une garçon. Tu m'appelles depuis Kégué? Kégué Fédération. Kégué Fédération. Tu habites dans la Fédération? Ah, comment on appelle papa? Ah, ok, tu veux chanter? Il est pressé. Ok, chante pour nous. Noué. Je veux pas m'aider. Joli. Bravo. Au revoir. Au revoir. J'ai Noël. Au revoir, monsieur. Oh, non, je ne suis pas monsieur, je suis papa Noël. Je ne suis plus petit, je suis devenu. Bye bye. Voilà. On va se regarder un autre appel en même temps. Allô? Allô, ça va? C'est tonton ou bien? C'est quel nom déjà? Allô? Allô? A allô? Mise en attente. Allô? Ah, je pense qu'il est parti. Nous, on va continuer le temps de recevoir d'autres enfants. Encore 3 à 4 minutes. On souffle la musique. On continue toujours la musique. La musique, si la régie le permet, on va faire danser les enfants dans la maison et revenir pour clôturer en toute beauté l'aventure Noël. Motte émission, c'est le week-end d'aujourd'hui. À toute à l'heure. Et les yeux tournés vers le ciel.
genoux les petits enfants avant de fermer les paupières. Font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et quand tu seras sur ton nuage, viens d'abord. Papa Noël, quand tu seras avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. On dit merci beaucoup à Henri. Henri depuis la Déticopée qui nous a envoyé également un message. Merci beaucoup à tous les papas qui ont permis à ce que leurs enfants puissent nous appeler. Henri qui dit bonjour le plateau Noël, vous m'avez manqué. Santé de fer à vous pour le thème. Franchement, si j'avais un enfant, je ne saurais quoi lui offrir, puisque dans mon enfance, Noël n'était pas célébré dans ma maison. Mais pourquoi offrir un petit vélo sera la meilleure des choses. Grand salam. Oui, Nicolas. Côté tata à côté. Merci. Voilà, et il précise qu'il est toujours célibataire. Exactement. Henri depuis, Adéticopé, bonjour à toi et bon Noël à tes futurs enfants. Voilà. Les enfants que tu n'as pas encore mis au monde. Joyeux Noël à ces enfants-là. On est vraiment talonnés par le temps. Demain, on va encore recevoir vos appels. Cher papa, ne vous fâchez surtout pas. Demain également, on sera dans cette émission. C'est le week-end pour fêter Noël avec les enfants. Tous ces enfants qui nous ont appelés, s'il y a possibilité, demain, on vous reçoit en studio à partir de 10h30. Donc, soyez à la TV2 à partir de 10h. Pour qu'on puisse célébrer en toute beauté la fête de Noël. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à Tata Vaida pour mon costume. Merci à Martin tout mignon. Merci à Espoir. Salut également qui est avec nous dans sur ce plateau, dans ce studio de la 2 en mode off. Mais nous a beaucoup accompagné pour la réalisation de l'émission d'aujourd'hui. Joyeux Noël à tous les enfants. On se retrouve demain. Bye bye. Bye bye.